air. Ça marche. Bon, mais voilà, trop tard, le live c'est mort. Pardon, non, je rigole. Allez, c'est parti. Nouvel épisode Minecraft. Alors, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière parce que ben, les deux épisodes qui étaient pourraves à cause du son. Donc, je les ai pas mis. Donc, à un moment, je vous ferai un petit résumé. Je vous expliquerai un peu ce qu'on a fait. Mais bon, c'était les... on a fait un petit peu de. Oula. Voilà, un petit peu de comment dire, de tout et de n'importe quoi, surtout du n'importe quoi, comme je dis à chaque fois. Où on a fait en fait Mumuse avec le moulin, on s'est fait des trucs avec des tapis roulants, avec Mine, etc. Bah avec Mine Colonies aussi, on a bien augmenté. Avec Mine Colonies aussi, on a avancé. Là, ce soir, on va essayer de s'attaquer au niveau des abeilles. Donc, je suis obligé de rester à côté parce que si on n'est pas dans la zone, le timer ne descend pas. Donc, c'est un peu casse-bonbon à ce niveau-là. Je vais peut-être pas rester 5 minutes ici, donc c'est pas grave. Je reviendrai de temps en temps quand j'aurai 2-3 trucs où on va se relayer avec Iron Knight. Oui, bah attends, je vais m'y poser en mode AFK. En mode AFK, beginner guide. Voilà, parce que oui, c'est le beginner guide, le big book of B. On a commencé un peu à le potasser. Moi, je vais essayer de faire. Donc, si je fais ça, est-ce qu'il me détrouve ? Oui. Je vais essayer de voir pour faire d'autres abeilles. Surtout que niveau ressources, on peut arriver à avoir à peu près pas mal de choses. Des billes qui vont nous faire des ressources sympas, on pourra faire des iron bees, des trucs comme ça. Donc je me demande, ce serait intéressant de les faire pour avoir de la ressource entre guillemets infinie. Ce serait plutôt pratique. Je pense que c'est pas ça qu'il faudrait que je fasse, ça hive. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir tout. Parce que normalement. Ou alors ils ont pas tout mis là-dedans. Parce que ça c'est quoi? Non, c'est Nest. Oh, ok, faut que je cherche Nest. Mais non! Ah putain! Qu'est-ce que t'as cassé encore? J'ai rien cassé, c'est juste que le lag fait que il me vire du Nether. D'accord. Ah, il n'y a pas le. En fait, je pop, mais je reprends le portail tout de suite derrière. Oh, le Slimy Nest pour avoir du slime. Ce serait pas mal. Il faudrait un green slime block. Il faudrait un bloc de slime. Il faudrait que je regarde. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être pas mal. On peut faire un glowstone nest. Ça aussi, ça peut être pas mal pour avoir de la glowstone en permanence. Ah, mais zut ! Il n'y a pas l'air d'avoir tous les nids. Sand, dirt, stone, bambou, acacia, jungle. Après, je pense qu'il faut un stone. Parce que là, on essaye de faire le soul sand. Et après, il va falloir faire... C'est bizarre. Mais non ! T'arrives pas à rentrer dans le nether ? Bah, en fait, je rentre. Ouais. En fait, je rentre, mais comme je pop et que ça me décale légèrement, ça considère que j'ai bougé. Donc, comme je peux pas bouger parce que je suis toujours en chargement, il me renvoie dans l'overworld. Ah, attends, bouge pas. Vas-y, dès que tu es là, je lancerai la commande. La commande 2. Bah, je vais te TP à moi. Ah. Dès que je te vois apparaître dans le portail, je te TP. Vas-y. Bah non, je suis reparti de l'autre côté. C'est pas ça, c'est que je t'ai pas vu. Ah putain. Attends. Parce que je te voyais pas. Mais c'est pas possible à tous les coups. Mais je veux pas retourner dans le portail. Arrête de me TP dessus. Mais non. Oh mais en fait je me fais TP en boucle tellement je lag. Hop, c'est bon. Je t'ai eu. Tu devrais plus. Ça devrait être bon là. Alors.
Je vais laisser le jeu se calmer. Parce que toi, tu me vois sur toi, c'est ça? Ouais, mais je t'ai TP à côté du portail. Donc pour moi, t'es à côté. Alors dis-toi que moi, je me vois dans des boucles de TP, de TP, 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 TP. Ah, ça c'est pas cool. Attends, je vais aller de l'autre côté. Pour voir si ça bug pas. Non, pour le moment, c'est ok pour moi. Bon, là, il pleut, donc les abeilles, elles vont pas sortir. Ah. On va faire un coup de disconnect. Oui. Refresh. Et on y retourne. Histoire que le jeu comprenne que je ne suis plus dans la boucle de TP infernale. C'est le level 4, c'est lui, là. Ok. De quoi, voilà, produit. Non, je suis en train de regarder... Il y a l'abeille qui, qui produit plein de miel. On a déjà notre bottle, là, une bottle qui est arrivée. On a 16 onécombes à côté. Bah, va falloir faire du verre pour faire des bottles. Hein, pour pouvoir oui, faire des. Pas besoin d'en avoir 50 millions non plus. Là, c'est vrai qu'on avait du gold et du. Et là, on a le bolter. Ok, on a chopé, ça y est, elle est arrivée ici. Je vais essayer de faire les autres. On va voir ceux qu'on peut faire qui peuvent être intéressants. C'est bizarre parce qu'il parlait d'Iron Bee, mais dans le bouquin. Oh, attends. Je pense qu'à mon avis, il faut les abeilles solitaires. Là-bas. Les bees. T'as les solitary bees, donc celles que tu peux trouver toutes seules. Bon, il s'avère que ton TP a fonctionné. Je ne suis plus coincé dans ma boucle temporelle. C'est déjà bien. Mais vas-y, par contre, je suis toujours à une seconde et demie de latence sur le serveur. Ah, c'est pas mal, ça. T'as les wild bees. Donc elle, les wild bee, crystalline bee, nether quartz nest, glowing bee, préfère plating some nether quartz, ok, ça on s'en doute. La glowing bee. Ah oui, c'est ça, je voulais faire une... Voir si je peux faire une... Est-ce qu'on en a un petit peu. Ça. Ok. Je fais mon truc de glowstone. Non, on n'a pas tant que ça de la glowstone. Bah, si ça marche, ce serait cool. Ça permettrait d'avoir des abeilles qui font de la glowstone. Ce serait plutôt cool. Il me faut une épée en bois. Non, ça suffira. C'est la nether. Ça, hop. Non, tac. Tac. Glowstone nest. J'espère qu'on puisse les casser. Après, il me faut, pour faire des croquettes, il me faut du honey bottle et une... Il y a le jeu lag. Ça n'a pas commencé. Non, mais... Si je me souviens bien, c'était ça, pour faire une croquette. Voilà. C'est bon, j'ai la croquette. Donc, on va faire un premier test ici. Et quelle est le nid par là? Vu qu'il faut quasiment 10 minutes pour qu'une abeille vienne, on va en faire plusieurs. On verra celles qui viennent et celles qui viennent pas. Et hop, on va caler ça. On va se faire un petit champ ici. Je vais caler la glowstone à côté pour qu'elle ait de quoi aller récolter. Et on va activer ça ici. Voilà. Après. Donc là, j'ai fait la glowstone bee. On peut faire la sand, est-ce que ça servirait? La dirt, sand, la snow, gravel, le rythme, what? C'est étrange. Le slimy nest, faudrait que je vois. Faudrait que je
crois pas qu'on a assez de slime, hein. On en a pas récupéré beaucoup. À moins que le slime on puisse le fabriquer. Je crois qu'on peut le fabriquer. Attends, je vais regarder. Donc, par contre, je suis en train de regarder le feeding slab. C'est une plaque sur laquelle on peut mettre 3 blocs différents. Ouais. Pour que les abeilles viennent butiner dessus. Ok. Et a priori, quand tu as une lumber ou une query bee qui viennent se nourrir dessus, elles se nourrissent en mode random d'un item dedans. D'accord. Ok, à voir. Oh, c'est qui toi? Toi, tu sors de nuit, donc tu sais quoi? C'est un ma carpenter bee. Pourquoi tu sors de nuit, toi? Ok. Après, le problème, c'est que je n'arrive pas à les mettre dans les hives suffisants, on va dire. Comme on verra. Ça y est, elle a poupé. Oh, c'est une ghostly bee. C'est pas la seule qu'on voulait, mais attends, j'arrive. Ouais, mais c'est une ghostly bee. Je l'ai vu popper et rentrer dans son truc. Inhabitant ghostly bee. Il faut attendre qu'elle sorte. On va essayer de la capturer. Bon, donc ça marche. Ici, j'aimerais bien, c'est la capturer et essayer de la mettre en bas. En espérant qu'elle se barre pas. Parce que j'ai fait un nid pareil, sous le sand nest. Et bah tiens, éventuellement, lâche une cage. Dès qu'elle sort, je la chope. Ouais. Moi, et ça, éventuellement, si tu as une petite friandise. Qu'est-ce que tu as, une friandise? Ah, pour en faire une friandise abeille pour les. Pour en repopper une deuxième. On verra. Donc là, ça n'a pas voulu, ça marche pas. Faut vraiment faire les. Alors. Ok, ça le casse sans le casser, donc c'est bien. C'est ma skill touch, parfait. Donc il va falloir. En fait, à mon avis, il faut choper les abeilles dans leur. À mon avis, il y a un truc qui a dû creuser ici sur les flammes. Il faut les choper dans leur biome. Un talot. Attends, je vais faire ça. Rester un peu de place. Tiens, vire-moi ça. La stone en garde, le gravel. Oh, c'est dégueulasse. Je sais à quoi sert l'abeille dans une bouteille. Ça sert à quoi? Ça sert à faire de la génétique. Ah. En fait, tu prends une abeille, tu la mets dans une bouteille. Ouais. Et cette bouteille, tu la mets dans la centrifugeuse. Et ça te permet de sortir de l'ADN d'abeille. ADN d'abeille qu'après, tu peux donner à manger à d'autres abeilles pour qu'elles récupèrent. C'est ça? Des gènes d'abeilles pour que les autres abeilles puissent récupérer éventuellement le gène que tu as mis dans une croquette de miel pour que l'abeille soit modifiée et qu'elle fasse plus ou moins ce que tu veux. En gros, imagine une abeille qui était censée sortir que de nuit. Et elle pourrait sortir de jour. Tu lui donnes le truc pour qu'elle soit diurne, elle pourrait sortir de jour. Lol. Ou la carpenteur qui sort de jour et de nuit, et ben tu trouves le truc pour qu'elle soit les deux. Et pouf! D'accord. On va faire de la génétique. Ça veut dire qu'on va devoir faire popper plein d'abeilles. Et ça va être chiant. Ouais, surtout que si elle met 10 bon, minutes. Par contre, la ghostly bee, s'il te plaît, tu sors. Là, ça marche, ok. De toute façon, j'en ai mis une autre à côté, hein, donc. Et Renate, ce soir, il va surveiller les abeilles, tu sais. Alors, est-ce que... Ce soir, je suis apiculteur. C'est ça. Et un apiculteur à 3 secondes de latence. Ça peut être bien pour choper l'abeille. C'est ça. Attends, est-ce qu'il y a son nid ici? Non, j'ai pas fait son nid. Il faudra déplacer son nid après l'avoir capturé. Tester. Mais ça marche pas. J'arrive pas à mettre les abeilles dedans, c'est que je comprends pas. C'est dommage.
Oui, parce que je pense que ces nests-là, ça doit être C'est uniquement quand... des wild. Enfin, plus ou moins des wild. Peut-être. C'est bizarre parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Comment tu fais pour récupérer le miel des autres? Est-ce que les autres, tu peux pas? Le miel, les combes des autres. Est-ce que c'est en récupérant les combes des autres que tu récupères les matériaux? Mais. Ah, attends, je vais regarder le slime. Est-ce qu'on peut fabriquer? On va voir du si. Du doux et du lime dye. Ah, ben c'est bon, c'est facile ça. Du doug. Ouais. Le doug, c'est du wheat flour et le wheat flour, c'est pas dur. Oh, eh ben. On peut envoyer le rice. Cool. Ah ben on va faire ça. Le rice, on en a plein. Hop, on va envoyer ça dans la. Allez, hop, c'est parti. Voilà, donc on a fait un petit système. Ça, on a fait Mumuse la semaine dernière. Je vais vous montrer ça quand même, rapidos. Je reste pas à côté parce que voilà, sinon je risque d'attirer les trucs. Donc voilà, le riz arrive, passe par ici. Il va aller dans le... voilà. Et là, on voit le doug qui est déjà en train de sortir. Et le doug nous revient tout seul. Voilà. Et ça va dans un coffre que j'ai prévu. Donc, il ne restera plus qu'à récupérer. Merci pour le follow. J'arrive pas à voir le nom. Zerflou. Non, Zerfiu. Merci, Zerfiu. Merci à toi. Voilà. 27 secondes de latence ? Non. Vaut mieux pas que tu te fasses attaquer de ton côté. Hein. Autant l'abeille, elle va sortir, tu vas pas la voir. Après, il me faut du lime dye. Le lime dye, pour en faire, quel est le meilleur moyen ? Il faut du green dye. Et le green dye, il faut... on peut le faire facilement, normalement, non ? Le green dye, on peut le faire. Est-ce qu'on peut Je crois que c'est du cactus qu'il faut broyer. Non. Le cactus, il n'en donne pas. Pas comme ça. Ah, il faut du cactus paste. Pas pareil. Donc, il faut faire cuire du cactus pour que ça fasse, faut que ça devienne du cactus paste. Quoique non, on peut le broyer, en fait. Donc, broyer du cactus va donner du cactus paste. Avec plus de chance. Et ben c'est bien, en plus on peut le faire passer. Ça c'est nickel. Alors, le cactus. Est-ce que le cactus, on en avait un petit peu en stock ici? Les cactus, est-ce qu'on en a? Mais il va falloir le mettre à pousser. Ah, on en a pas beaucoup. Mais il pousse déjà, mais c'est que je le récolte pas. C'est surtout ça. Parce que le cactus, j'ai 4 plants de cactus qui poussent. Il faut que ça pousse. Non, c'est ça, ouais, j'en ai 5, ouais. J'en ai 5 qui poussent déjà. Mais ça monte ça monte plus haut quand même que le normal, hein. Ça monte jusqu'à 4 de hauteur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as été éjecté. C'est ça? Non. Qui est quitté pour essayer de récupérer la collection. Bon, alors j'ai 2 Carpenter Bee, ok. Je voulais voir si ça m'en donnait une note différente, mais non. Donc, on va s'occuper d'envoyer le cactus par là-bas, en attendant. De toute façon, j'ai pas besoin. Le doux, j'en ai eu combien? Ouais, ça va, j'ai envoyé un stack et j'ai eu. Un stack est 34, donc ça va. Et 16 graines. Et ouais, c'est ça, 16 graines. Donc ça va, c'est correct. Donc ça, il faut que je le transforme en doug. Pour le transformer en doug, il faut le mettre dans l'eau.
Donc on peut le mettre, oh ben voilà, ça va être, ah il faut un seau d'eau. Donc le plus simple, c'est que je le fasse là-dedans. Dans le mixeur? Non, carrément dans le truc avec le ventilo là, ça me le transforme en doux tout de D'accord. suite. D'accord. Oh, cool. Il n'y arrive pas. Ça y est. Hop, voilà. Il s'est transformé en doug. Maintenant, il ne me reste plus qu'à récupérer les 37 cactus past. Les cactus past, il faut pour les transformer en green dye. Pour les transformer en green dye. Non, même pas. Si je les mets dans l'inventaire, ça devient des green dye. Et après les green dye, il faut que si je veux les transformer en lime. Ouais. Loupé. Bah tous les coups, pour attends. Faire du lime, il te faut du de la bonne mille. Hein. Attends. Lime dye. Ah oui non, faut du green dye avec du white dye. Donc il me faut des white dye. Et donc le white dye, bah le white dye normalement c'est Avec les os, avec la bonne mille, ça marche très bien. C'est ça, c'est avec la bonne mille. Avec la poudre de nanas. Voilà. Je vais faire. Bon, par contre là il est 8h, il est 8h30 dans le Nether et la Ghost Libby n'est toujours pas sortie. Bébé. Parce que t'es à côté, elle a peur. Quoique la Ghost Libby, elle bouffe quoi? Bon, je viens de faire un stack de Steinball. Ça va, c'est pas très dur à faire. Mais on va essayer de voir si on peut faire l'abeille qui va avec. Donc il faut que je fasse deux trucs comme ça. Un, deux. Ah, les autres, on va les déranger. Ouais, donc les slime balls, ça va, elles sont super Libby, faciles. La Ghost Libby, elle veut de la soul sand, il y en a plein côté. J'ai le slimy nest. On va récupérer ça et se faire une croquette. Alors, les ghosty combats. Une petite croquette. LOL! Là. Qu'est-ce qu'il y a ? Les ghosticombes, c'est des gastirs. Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ça. Alors, est-ce qu'il va m'autoriser ? Nestizem qui use only trade to attract this location. Zut, faut aller dans un marais pour que ça marche. C'est chiant, ça. Faut vraiment aller dans l'endroit où t'as des chances d'en avoir. T'as que la Ghost Libby, c'est. Mais t'es débile ou quoi? Tiens, je te les donne. Il veut une hache. Est-ce que j'ai pas. Si, bah j'ai une pauvre hache. Bah, tiens, regarde, j'ai une hache. Regarde, tiens, voilà, va bosser maintenant. Putain, je ne peux pas le dire plus tôt. Donc, ça n'a pas marché. Ce qui est chiant, c'est que ça bouffe la croquette à chaque fois. Ça, c'est chiant. Ah, bah ça. Ça, c'est un peu dommage. Ah, tu viens de quitter. Oui, mais ma connexion, là, elle me dit non pour ce soir-là. D'accord. Enfin, pour ce soir. Mais comme d'habitude, je veux dire. On va mettre ça ici en attendant. Non, ça. Quand Bouygues fait pas de la merde avec le réseau. Je ne vais pas les ramasser tous, mais c'est pas grave.
Ah. Là, ça m'a pas bouffé la bouteille. Ah ben non, ça doit mettre les bouteilles à chaque fois là-bas. Hop, je t'en mets une petite bouteille ici. Voilà. Alors, toi, ça marche pas. On te récupère. Faudrait que je trouve un marais, enfin une zone marécageuse, pour pouvoir aller le faire. J'ai pas envie d'attendre 10 minutes à côté du marais. Donc, je vais aller voir si elle est pas sortie, la Ghostly, le temps que tu sois déco. Jamais. Ah, je vais me faire décoigner les oreilles par les bruits de Ghast. Ou alors, est-ce qu'elle serait pas à l'extérieur? Parce que tu sais, on entend le bruit. Ah, je suis en train de me faire agresser. Il y a un Elboon, il y a un Ghast qui est juste ici. Oh merde, oh, il y a du monde à côté. Va falloir mettre une porte en fer alors. Ouais. Je suis en train de me faire arracher. Attention. Défonce le Ghast. Il y a un Ghast qui est... Putain, mais il y a du Ghast de partout à côté. On n'avait jamais eu autant de Ghast à côté. Bon, il s'est barré là, c'est bon. J'entends un truc qui a fait chou. Ouais, un burning. Aïe. Ah. Un dégage. Oh, il y a des papillons qui sont venus ici. Bah oui, on a laissé ouvert, donc... qui viennent polluer ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens dans la... Je l'ai headshot d'ici. Dans le trou là-bas. Dans le trou là. Oh, ça y est, elle est dehors. Hop, je l'ai chopé. Ah, Kachi. Ah, j'ai plus de place. Ici. Non. Hop, lire ça, c'est pas grave. Hop, je vais aller voir si je peux la faire survivre là-bas. Il a toujours une co en vrai. Oui, mais ça... Ça, on commence à avoir l'habitude. Hein. Voilà. C'est pas le... Alors... Bicage, Ghostly Bee, est-ce que tu vas bien vouloir... Alors, est-ce que je vais arriver à te mettre dans une... avant de cette BI? Non, j'y arrive pas. Je trouve ça dommage. Déjà, est-ce que tu vas vouloir vivre ici? Déjà, c'est pas être bon. Oh! 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 Elle est dans... C'est bon! Elle est dans le beehive, le Oak Beehive. On va pouvoir la... De quoi laquelle? La... C'est bon, elle est dans son... Elle est dans un nid où on peut la voir. Ça a marché. Ah! J'ai réussi à transférer dedans. Et t'as fait comment? T'as fait un... Bah, j'ai fait shift-click et ça a passé. Alors que ça marchait pas avant. Après, à mon avis, elle va sortir que de nuit. Hein. Je doute qu'elle sorte de jour. Je vais lui mettre des petites... Ben, dis-toi que là, tu l'as chopé quand elle est sortie et il était 16h et quelques, donc j'ai l'impression qu'elle sort au crépuscule, en fait. Sûrement. Bon, de toute façon, je lui ai mis des trucs à côté pour qu'elle puisse avoir ce qu'il faut, de la soule-sande. Donc elle pourra butiner la soule-sande. Et normalement, on devrait avoir des guestirs à la chaîne. Parce qu'elle va faire... C'est 5% de chance. Hein. Oui, mais elle va faire des onécombes de guestirs. Oui, mais les onécombes de guestirs, quand tu les centrifuges, c'est 5% de chance. Ah oui, non, mais c'est pas grave. Guestir. C'est pas grave. Tant qu'elle nous fait des onécombes, moi, c'est ce qu'il faut. Mais c'est, bah, j'ai pas besoin de plus. Hein. Là, ici, il faut encore plusieurs minutes. Ok. Bon, ça, c'est le coin qui va bien. J'ai bien envie de tester pour voir si de slime, il n'y en aurait pas. Je pense pas qu'il y en ait ici, des slimes, mais on sait jamais. Je vais tester. De quoi la slimy? Alors, attends. Où est-ce qu'il est, le slimy combe? Le slimy nest. Non, il me dit qu'il n'y en a pas ici. Le chiant, c'est que ça bousille la croquette à chaque fois. Faut que je trouve un marais.
faut trouver un mari. Alors, elle veut des... Bon, bah, en fait, elle veut des fleurs normales. Oui, non, mais... Ah, attention, nous, la nuit arrive ou pas? Ok, là, ouais, 18h. Oh, pour faire une... Une Emerald Bee, c'est une Diamond Bee et une Slimy Bee. Mais ça, on verra après. Hein. Déjà, on va essayer d'avoir les... On va déjà essayer d'avoir les abeilles qui vont bien. Parce que j'ai réussi à la mettre dans le billet. Ça y est, elle sort. Oh, yes. De quoi, la Ghostly? Ouais, elle est dehors. Elle est sortie, okay. Il était 19h. Donc c'est ça, elle sort au crépuscule. Et normalement, elle va commencer à nous faire des honeycombes qui vont avec. Alors, est-ce que j'ai pas un... Et on donc, a pas un marais donc, qui est par pas contre, très loin. Ouais, le... Alors, dans le slimy... Ouais, on n'a pas un marais à côté, quoi. C'est ça le problème. Dans le slimy nest, il n'y a que les... Que les slimy bees qui peuvent popper dedans. D'accord. Donc c'est un spawn unique. Elle nous a déjà fait deux. Unique. Elle nous a fait deux ghostly combs déjà. Oh. Sugar bag bee. What the fuck. Sugar bag onicomb. Oh là 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 là. Après, on peut booster productivity, increase the production output of bee in this hive by 50%. Multiple upgrade, il faut quoi? Des honey blocks, il faut un upgrade base. Aïe, au secours, j'ai mal. Trois émeraudes et un diamant. Ok, on verra après. On va déjà essayer de faire un max d'abeilles complètes. LOL! À quoi elle sert cette abeille? Laquelle? Non, parce que des abeilles, il y en a beaucoup. Non, non, mais là... Oh! On peut produire des ors de Midden Slash. Belle. Et pour ça, il faut partir d'une Query Bee que tu l'as convertie avec un orbe de transmutation. Ça devient une Common Salvage Bee. La Common Salvage Bee, tu trouves une pierre de corruption, tu l'as fait devenir une Uncommon. Oui, alors, déjà, faudrait qu'on arrive à faire des abeilles de base. Après, on verra. Je vais peut-être faire un Quartz Nest, il me faut un Nether Quartz. Ah zut, il me faut un Nether Quartz or, mais un complet. Donc, faut que j'y aille avec ma Skill Touch, en chercher un, voire deux même. Et il faut une épée en fer. Ok. Et pour faire une Query Bee, il faut une Digger Bee et une Chocolate Mining. Oui, mais pour le moment, déjà, on arrive à faire les abeilles. C'est déjà bien. Attends, il y a des trucs que je vais virer. Alors, la Chocolate Mining, je pense qu'on aura peut-être... je pense qu'on aura peut-être plus de chances de l'avoir avec un Sand Nest. Parce que ça ne donne que des Hachi Mining et des Chocolate Mining. Oui, mais ça, on verra après, de toute façon. Et après, par contre, pour la Digger Bee, c'est dans un Gravel Nest. Je vais foutre ça ici. Oh, la connexion lag moins. Ouais, je suis qu'à 440. La bouffe ici, voilà. Pouf. Ça, quand on aura besoin. Alors, donc, j'en étais où? Bon, je voulais faire. Ah oui, faut que je vienne dans le Nether. Messieurs les pigmen. Ah, on lag, c'est bon, ça. Il faut que ça arrête de pleuvoir là, c'est chiant. Les abeilles vont pas produire ça. Du quartz. Oui.
Ah, il y en a encore un. Je laisse faire mes muses avec. Moi, j'ai cherché du Nether Quartz. Ah bah voilà, parfait. Je l'ai récupéré. Il m'en faut un deuxième. S'il m'a looté l'autre. L'infernal Rotten Flesh. Ah, du magma bloc, on va pas dire non. Ah, j'ai un morceau de Wither, ça on va garder. Des oracles nouvelles. Il me faut un deuxième morceau. Donc déjà je peux faire le nid. Ça, ça me libérera l'épée. Voilà. Ça vient ici. Walbi. Toi, t'as décidé de d'XP, c'est ça, pour attraper le retard. Non, non. C'est juste que depuis tout à l'heure, ils arrêtent pas de venir me dire bonjour dans la maison. Donc, je nettoie. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de s'inviter en mode bonjour. On n'a pas été invité, mais c'est pas grave. Vas-y. Donc, je désinvite les invités. Elle a déjà fait 4 combes. Ici, hop. Donc, je vais faire ma croquette. Voilà, on va retourner là-bas. Ça va, le TP d'entre les deux zones est quand même super rapide. Ça qui est bien, par rapport à avant. Ok, donc les deux tournent, nickel. Donc on doit avoir une... Je vais aller refaire des cages. Je crois qu'on n'en est plus là. Ah oui, d'accord. Je comprends. Je comprends pourquoi il y a des mobs qui spawnent là. Pourquoi ? Il y a un spawner ? Non, c'est juste que dans le grand trou qui est juste à côté, si tu ouvres un petit peu en bas, il y a ce qu'on appelle un lac de lave. La 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 la. Et alors ? Ça pose problème ? Non, j'ai envie de dire, il y a des mobs qui spawnent un petit peu dans le sol, c'est tout. Ça c'est bien, j'ai 4 ici bouteilles, là j'ai de la bouteille, nickel. Voilà. Donc ça on aura de la production de miel, c'est nickel. Bon, alors la glowstone bee techniquement elle est censée arriver d'ici 300 secondes. Ok, j'ai fait des cages, attends. Hop. Après la glowstone bee, il faudra pas que tu casses les trucs à côté, la nether, la quartz, elle arrive aussi. Mm-hmm. Oh, oui, j'ai vu, t'as posé du quartz et tout à côté. Voilà. C'est tellement long de faire venir. C'est atroce. Faut que je fasse des hawks, des hives pour les abeilles. Pour les lancer 4x4. Ben, c'est pas ça, c'est que... Attends, il faut deux Onécondes, il faut... Ah oui, il faut le campfire. C'est pas chiant du tout. Pourquoi un campfire pour des... Ouais, il faut un campfire pour faire des hives avancées. Oh pétard.
Bon, encore ça va, ça coûte pas très très cher, mais bon. Attends, un peu de tri là. Ça vire, vire, vire. Attends, toi, Luni, je te mettrai de côté. La Blackstone Osef. Le four là, pour le moment, je m'en fous. La Stone aussi. Ça, ce sera pour après. Ça, on te garde, ça va servir. Ça, Osef. Ça, on va le remettre dans le système. Les nonos aussi. Voilà, ça j'ai un petit chouïa de place en plus. Pourquoi celle-là il veut pas? Parce que j'ai une cage de... Ah, j'ai une abeille dedans. J'ai quoi dedans? Pourquoi il me... J'ai une abeille de base. Plonk. Oh. D'accord. C'est pas ça. Ok. Attends, ça, je vais la foutre de côté. Donc ça, je peux le mettre par 12. Yes. Parfait. Alors, il faut que je fasse deux advanced au moins. Donc, il me faut un Hog Beehive. Donc, il faut deux Hog Beehive. Ok. Il va falloir des crocs, des combes. Ça, c'est bon, on en a. On est déjà là, en plus. Oh, quel crétin, ces Wither Skelet. On le voit. 1, 2, 3, 4, 5, je suis en train de regarder un combat de gogol entre deux Wither Skeletons. parce qu'ils sont tirés dessus, c'est ça? Oui. Comme des abrutis. Putain. Ah, ça marche pas avec celui-là? Ça marche qu'avec des Hawk Planks. Ils sont chiants. Ça fait toujours des fragments de tête de Wither. Hein. D'ailleurs, c'est celui qui a pris une flèche dans le derche qui a réussi à se venger en premier. Oui, j'ai regardé le combat jusqu'à la fin. Je n'en doutais pas moins de Et toi. Non. Et hop, c'est fait. Ok, après, il me faut deux campfire. Donc, 1, 2. Il me faut des bâtons, j'en ai. Il va me falloir des planches. On va prendre des. Comme ça. C'est des planches ou c'est des morceaux de. Zut. Poisson rouge. Non, c'est des logs. Poisson rouge, poisson rouge. C'est des logs ou du wood. Ok. On manque, il faut deux. Allez, hop. C'est parti. Deux. Il me faut déchirer. Ouf, le fer, on commence à être bas. On n'a plus que 300... Que 300 fer? On n'a plus que 390. Alors, on a encore un peu de marge, mais bon. Après, il faudrait voir, il y a des trucs qu'il faudrait que... faudrait qu'on multiplie aussi. Une minute pour la Glowstone Bee. Ok, comme ça, j'ai le temps de finir au moins ça. Et ben, j'ai tout ce qu'il faut, là. Non, il va manquer du Hawk. Des Hawk Plank. Ouais, j'espère qu'elle sort... qu'elle sort de jour. Non, qu'elle est... Putain, n'importe quoi. J'ai fait des boutons. Pas grave, ça servira dans d'autres trucs. Tu as fait des boutons? Ouais. Ok, j'ai mes deux. Les expansions box. J'ai fait une. On va en faire une deuxième. Ça. Ouais, c'est dommage là, le mode, ils ont pas. Ils ont limité les. Comment ça s'appelle les. C'est bah, c'est limité au Hawk, la plupart des constructions de... Ah. Ah. Il m'en faudra un troisième d'ailleurs. Bonjour la petite Glowstone Bee. I got to catch you. On pourra rajouter des abeilles. Je me demande si celle-là, là, je peux pas la rajouter dans celui-là.
Non. Je peux pas. C'est la même, hein, celle-là. Ah, mais non! C'était quoi comme éveil? Non, j'ai pas d'éveil dedans. Pourquoi il m'emmerde, là? Pourquoi il veut pas là? Ah, ça y est, il veut la stacker. Mais... What? Non. Ok, elle est buggée. Je ne veux pas retourner dans le Nether, putain. Hop, t'es décalé. Donc elle est là? Non, ça n'a pas marché avec la glowstone, fais chier. Si, si, je l'ai sur moi. Ah, ok. Oui, mais alors si tu prends pas... Ah, merci, c'est bon. Oui, mais attends. Si tu prends pas la glowstone... Tiens, puis le truc qu'on va faire... C'est... Alors tiens, comme je veux pas foirer... Ok, nickel. Alors... Ah bah oui, je comprends pourquoi je repassais dans le... Dedans. Je suis à 3 secondes et demie de latence. Ok, c'est bon, on est dedans. La glow imbi est dedans. Et pour savoir ce que c'est, je vais faire ça. Et je vais mettre son nid au-dessus. Hop, voilà. Donc ça, parce qu'il sert plus à rien, donc le nid. Donc, ou il servira si jamais un moment on a besoin, parce qu'on en a plus. Voilà, hop. Comme ça, on a des nids au-dessus. En espérant qu'il aille pas dedans après. On verra. Est-ce qu'ils font des bébés? Ouais, parce que les dernières fois, j'avais essayé. Hein. J'arrivais pas à les foutre dedans. Donc c'est dingue ça. Il me faut une expansion box. Comme ça, elle sera faite. Ok, bon, et eh ben ça va, on avance sur les abeilles. Là, c'est cool. Voilà. Voilà, elle est pas ressortie depuis tout à l'heure parce qu'il arrête pas de pleuvoir. La glowing, on ne sait pas à quelle heure elle sort, mais elle sortira quand elle sortira. Ah, elle est sortie, la ghost. Elle a fait ouais, non, mais je sors. Et il est 16h. Donc elle sort à 16h en fait. Ah, mais elle est jolie comme tout. Oui. Et toute transparente. Oui. Oh, déjà 6 ghostly combes. Ouais, ouais. C'est... Quand on en aura, je sais pas, un stack, on essaiera de pour avoir. C'est moi ou il bug sur sa guard tower? Non, mais il arrête pas. T'inquiète, il y va. Alors, la glow in bee, je sais pas quelle heure elle va sortir, mais on verra. Bah, théoriquement, elle devrait pas tarder. Et ce qui est bien, c'est que là, on peut casser les nids. Les abeilles resteront dedans, normalement. D'accord. Donc là, on peut les transférer avec. Comme on veut, où on veut, etc. Ça peut être intéressant. Bon, là, c'est bien. Ils ont fait pas mal de miel. Je vais mettre des bottles ici, pour qu'on puisse récupérer son miel aussi. Voilà. Alors, il faut savoir que chaque fois que tu utilises hein, les... Les bouteilles, ça marche. Tu les, il te les rend. Mmh. Là, par exemple, si on veut récupérer, on a un petit peu de miel là. Il y a, à mon avis, 7 bouteilles. On peut récupérer ici, dans la centrifuge. Oh, et c'est des grits qu'on récupère. Hein. Ouais, oui. Mais tout à fait. Ok, alors attends, on peut faire de la sand bee.
permettra d'avoir du sable à volonté. Il y a la snow, la gravel aux F. La nest. Les grits, on peut les faire cuire avec le ventilo avec le ventilo de derrière un bloc de lave. On peut faire le obsidian nest aussi. Putain, il faut une épée en diamant. Oh, les salauds. Bah, c'est pas comme si on en avait pas. Oui, mais voilà, les salauds. Ça, ah, ça la consomme, Bah oui, ça consomme l'épée. Ah. Mais ça fait. C'était ça, l'information que ça je fait venir, ça fait venir une draconic bee quand même. Donc, ça veut dire que ça c'est dans le ça veut dire que c'est dans l'end qu'il faut c'est la lancer. Ça. Et il faudra faire aussi un endstone nest qui lui va faire popper une ender bee. Donc des under pearls, etc. Donc il faut de l'endstone. Alors normalement je sais plus si j'avais pas fait la cache déjà pour l'endstone. Non, je l'avais pas fait. Oula, j'ai des trucs qui sont buggés dans mon sac. Ok. Ça sent. Ah non, ça y est, ils sont arrivés. Les textures qui ont fait. Non, on prend notre temps. Et sinon, tu m'avais dit, il y a un bi quoi là, on pouvait faire hein, un bi pour les nourrir. Le bi quoi? Tu m'avais dit là, il y avait un truc pour les billes là pour les nourrir. Ah bah c'est la croquette. Non. La tweet. Si si. Oui non mais tu as la croquette, c'est bien pour les faire venir, ça je suis d'accord. Attends, y a... Oui mais c'est aussi pour les nourrir. Les herbes. Ah oui, le slab, le feeding slab. Ok. Attends, faut que je fasse de la nether brick. Et le feeding slab, c'est une smooth stone slab au-dessus d'un coffre. Une stone slab. Oula, non, une feeding. Smooth. Attends, tu stone m'as dit slab. Feeding. Voilà. Feeding slab ou feeding trough. Ah, pour produire. La bah, feeding c'est slab. Ouais, mais c'est ça, c'est feeding slab. Ouais, faut un chest une avec smooth. Une smooth. Une voilà. Smooth. Une smooth. Une smooth stone slab. Une SSS. Une smooth. Je crois que. Attends, il doit en avoir quelque part de la smooth. La smooth en slab. Tiens, mais j'ai une stone ici. J'ai une obsidienne. On va faire ça. Obsidienne, et je suis en train de faire une nether. Ah, j'avais peut-être fait une nether brick. Ah, mais il est là, nether brick. Ah, quoique, avec le stone cutting, on peut 3 stones et une iron nugget, si on met une smooth stone, pff, ça tranche direct. Il faudrait 2 obsidian d'ailleurs. Tu veux essayer de faire la double bille? Non, c'est pas ça, si je mets de l'obsidian à côté, comme ça je suis sûr. Et si elle sort, elle sortira pour essayer d'aller chercher l'obsidienne. Mais quoi qu'une obsidienne bille, à mon avis, tu devras en trouver plus dans les fonds, les sous-sols, quoi. Il y a un coffre ici, nickel. Il manque plus que le smooth. Le smooth slab. Où es-tu, le smooth? Je sais que j'en ai déjà fait, parce que j'en ai eu besoin pour des crafts. Surtout pour les baraques dehors. Attends, je vais aller voir. J'ai peut-être mis dans son inventaire. Où est-ce qu'elle est sortie la bee? Non, la glowing bee, elle est toujours pas sortie. J'espère que j'ai pas mis devant. Putain, quel con. Il avait bloqué l'entrée. J'imagine bien l'abeille dans sa ruche en mode. Je veux sortir. Non mais je sais pas si elle peut sortir ou pas. Mais dans le doute, vaut mieux. Dans le doute, reboot. C'est ça. Ah
Ah bah au moins, elles se font pas attaquer par des frelons asiatiques. Oh! Qu'est-ce qu'elle fout là, la Carpenter Bee? Ouais, bah t'inquiète, elle sort dans le tranquillou. Il y en a deux, hein, j'en ai fait deux, des... Ouais, non, mais il y en a une qui est en train de virevolter autour des moutons. Des moutons? Oui? Quel mouton? Ben, les moutons de la... Comment elle s'appelle déjà? De la bergère? Les deux moutons qui sont à l'intérieur, il y a une carte. Ah, mais c'est, à mon avis, c'est une solitaire? Parce que les deux autres, elles sont là-bas. Hein. Ah, ben, il y en a une là. Regarde, au-dessus de ta tête. Ah oui. Non, non, mais ça doit être une solitaire qui a décidé de se promener. C'est tout. Parce que nous, là-bas, les deux, elles sont dans leur nid. Et elles sont blessées, les deux. Donc non, parce que comme j'avais trouvé une ghostly à un moment, pas une ghostly, une skeleton, t'as des abeilles, comme tu peux tomber des zombies aussi. Ouais, t'as des solitaires, des abeilles solitaires, tu peux essayer de capturer, mais il faut tomber dessus, quoi. C'est comme il y avait eu la skeleton que j'aurais dû capturer, que j'ai pas pensé. C'est moi ou on a un fantôme qui arrive? Ouais, gagné. Ah ouais, et il a apparu au-dessus de toi. Ouais, donc c'est que j'ai pas assez dormi. Mais bon, c'est pas grave, il me fait pas peur, le fantôme. Ouais, c'est les abeilles peuvent popper comme ça, un peu partout. Selon les... Ah. Le fantôme est en train de cramer. Caille, caille, caille. Mais je crois que c'est faut dormir. Si tu dors pas 3 jours, tu sais, si tu fais 3 cycles. Ah, il y en a 2 d'ailleurs. Ouais, qui tournent autour de la. Ah, les deux là-haut, ils s'en peuvent plus. Bonjour, on est en flamme. Ah, ça y est, elle est sortie. Ah, est-ce qu'elle reste par ici? Ah. Où elle va? Elle va vers la torche. Elle est allée dire bonjour à la torche. Elle butine sur les... Ah bah oui, elle doit butiner sur les... sur les trucs de lumière. Bon, elle va. Sinon, ils aiment bien aussi les cacao beans, je crois. Tu vois, j'espère qu'elle se barre pas. Sinon, je la recapturerai, c'est pas un problème. Ouh, elle est en train de se barrer, là. Non, elle redescend. Je sais pas ce qu'elle fait. Bah en fait techniquement elle est censée bouffer sur les glowstone et sur les redstone lamps. Ou alors elle va essayer d'aller au soleil parce qu'elle voit beaucoup de lumière. Je crois que le chercheur a fini de rechercher le first aid. Ouais. C'est moi ou il y a 3 fantômes. Il va peut-être falloir que je dorme. Qu'est-ce que ça te tapé là? Qu'est-ce que t'as shooté? Un squeletton. D'accord, l'abeille elle est là-haut, je sais pas ce qu'elle fait. Elle redescend. J'espère qu'elle va revenir dans son. Sinon, faudra la mettre en intérieur. J'ai l'impression qu'elle veut aller. Ah, okay. Est-ce qu'elle veut pas? Parce que l'autre il est en train de cramer, elle veut pas essayer d'aller dessus. Non, elle est en train d'aller vers le soleil là. Elle est en train de se barrer là. Bonjour. Peut-être faire quelques redstone lampes ou torches. Redstone lampe. C'est glowstone et redstone lampe. Attends, les redstone lampes. Redstone lampe. Non, ça c'est les combles. Redstone lampe. Ok, le stone 4. On va en faire une. La glowstone, c'est pas un problème. Parce que ce serait bien qu'on ait une génération de glowstone permanente, quoi. Et je suppose que la glowstone lampe, faut qu'elle s'allume. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est barrée à perpète. Non, elle est toujours là? Non, non, elle est là. Elle est là-haut. Ok. Attends, on va mettre une petite redstone juste à côté. C'est bizarre parce que j'ai quand même mis la glowstone. Hop,
Faudrait juste que j'arrive à la limite. Elle est là. Oh ben elle revient. Elle est allée chercher peut-être ses trucs et elle va revenir au nid. Ah non? Elle va vers la glowstone lamp? La redstone lamp. Elle est sur la redstone lamp. Lol. Bon, elle tourne, elle est contente. Elle est en train de butiner la redstone lamp. Ok. Mais pourtant, il y avait la glowstone juste en dessous. Je sais pas pourquoi elle a... Ok. Bon, bah c'est bon. Elle va rester dans le coin, donc on... C'est cool. Ah, la ghostly bee nous a fait quand même du honeycomb de base. Et on en est à 16 ghostly combes. Ah. Ça produit bien. Ok. Bah, techniquement, avec les 16, elle est censée nous avoir fait plus ou moins statistiquement une larme de ghast. Ouais. Si on a plus ou moins de bol. Après, elle va nous faire des... Elle fait quoi? Ah, on peut pas voir. Zut. C'est pas grave. On va la laisser bosser, de toute façon, on verra. Ok. On va tester dans la centrifugeuse. Ghostly Comb. Ah, mais non, mais pas, pas tout de suite. Oh, ça, c'est trop beau. Regarde. Oh, c'est trop beau. Les 16 trucs, c'est trop beau. Regarde comment ça fait à l'intérieur. Oui, je sais. C'est lent. Hein. Mais ça veut dire qu'on aura tout ou rien avec. Du miel, au pire. Boum, viens en faire un. Loupé. C'est pour ça que je voulais attendre un stack complet, parce que c'est un peu long. Ouais, c'est pas grave. Ah, mais même... Pourquoi le stack complet, il le fait d'un seul coup? Non, non. Il est fait un par un, de toute manière, mais... On aurait balancé dedans et sur un stack complet, je pense qu'on en aurait eu au moins. Ah oui, et par contre, là, il va lui par contre, là, il va falloir quelques bouteilles pour pouvoir vider du miel parce que là, il y a. Le truc qu'il faudrait aussi, c'est qu'on pourrait augmenter la vitesse, faudrait faire des upgrades ou des trucs comme ça. Alors, il faut la powered centrifuge. C'est une centrifuge avec deux redstone dust. Par contre, je pense qu'il faut lui mettre du jus électrique. Peut-être. Mais sinon, c'est pas grave, on laisse comme ça. Non, sinon, tu peux mettre des upgrades. T'as vu sur le côté, t'as plein d'emplacements là. T'as 5 emplacements. Tu peux mettre des upgrades. Ok, alors ça, c'est l'upgrade de productivité. L'upgrade de temps. Pardon. L'upgrade Allez, de on va dépenser un peu des diamants. Ça va, on a. Oh, on a 93, ça va. Allez, hop. C'est bon. Quoi? Prevent bee living in this hive from teleporting? Ah, ça c'est pour l'Enderbee. Pour éviter qu'elle se barre à Perpète les oies. Ok, la Endstone. Ouais, mais ça c'est uniquement les hives. C'est pas la centrifuge. Oui. C'est des trucs pour les. Ok. J'ai fait 3 hives de plus. Enfin, 3 nests de plus. Il y en a 2, il n'y aura pas de problème. Bah, elle est full vie, la petite Carpenter Bee de chez nous. Ah ben, c'est qu'il y en a une nouvelle. Mais enfin, je sais que j'en ai fait. Il y en a 2, des Carpenter Bee. Ah ben, il y en a une qui est sortie à l'instant, qui était à 33 sur 33. Ouais. Tu es quoi, toi? Tu es une Wigby. Il me faut 3 bouteilles de miel. Parfait. Donc le miel, c'est bien, on va pouvoir en récupérer là, avec les combes. Ah, on a déjà des glowing combes. Cool. On va regarder ce que ça fait. Mais les dépense pas pour le moment.
Parce que alors, le... c'est f... alors, un Glowing Comb, c'est forcément une Glowing Dust et 250 millibuckets de miel. Mmh. Et en fait, elle butine sur les deux. Elle butine sur la Glowstone et après, elle va sur la Redstone. Là, on est en train de, là, on est en train de butiner la Redstone, la Glowstone. D'accord. Donc en fait, je pense que c'est pour ça, c'est elle avait dû butiner sur la Glowstone et comme la Glowstone n'avait plus de pollen. Je sais, c'est dur à dire comme ça, mais comme elle n'avait plus de pollen. Ouais, elle est allée. Elle devait être en train de chercher. Où est-ce que je peux en choper autre chose? Et dès qu'on lui a mis de la Redstone lampe, elle a fait oh pétard. J'ai de quoi butiner. Youhou. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça va nous par filer. Par contre, oui. La Ghostly Bee a perdu de la vie. Oui, non, mais ça déjà, elle en avait déjà perdu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mon avis, c'est qu'elle était restée sous la pluie ou un truc comme ça. Après, je ne sais pas comment on les soigne. Ça, c'est le truc. C'est pour ça que les nids, je les pète pas, parce que je pense que des fois, il va peut-être falloir aller en rechercher, refaire bah oui. Régulièrement. Mais bon, les Carpenter Bee qu'on a depuis un petit moment, t'inquiète pas que. Ça fait un moment qu'elles ont perdu des points de vie et qu'elles restent comme ça. Bah, celle-là, elle a perdu des PV. Oh, mais elle a plus de PV que l'autre, c'est une level 6. Ouais, elle a 44 PV max. Non, mais ici, c'est normal, c'est que les monstres du coin, enfin, tous les mobs du coin, c'est 44 PV. Enfin, c'est level 6, pardon. Ah, attends, moi faut que j'aille. Non mais l'autre Carpenter, elle avait que 33 PV. Donc je pense qu'elle devait être level 5 du genre. Alors. Oh là là, il essaye de se TP. Tu t'es TP sur quel truc là? Ben pour l'end. Ah. Oula, un gros lag pour ma part. Mais... Je vais aller mettre deux nids dans l'end. Tu veux. À part aux yeux. Je suis plus dans le nether donc. La quartz elle a pas dû popper. Non, mais j'en ai rajouté une autre à côté donc t'inquiète, c'est pas grave. T'es pas obligé de toutes les faire tout de suite. Est-ce que je vais plus en haut? Non, je crois que je peux les laisser ici, hein, il n'y aura pas de problème. Hop. Quoique non, il faudrait pas qu'on pop dessus, ce serait très con. Ah, ok, le nest, il faut la pioche en diams, sinon... je vais les mettre sur le côté, là au-dessus. Sinon, il est pas d'accord pour se faire défoncer? Ben, c'est ça. Elle est plutôt ici. Ok. Putain, s'il faut 1800 pour l'obsidian nest, c'est 1800 secondes. Je veux pas rester 1800 secondes ici. Hein. Bon, après, faut que je... J'aille dans le trou. Bonjour monsieur les Enderman. Je ne fais que passer. D'ailleurs, il faudra qu'on aille visiter l'End pour aller récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle foutait là cette bestiole? Il y a des Ghostly qui attaquent les Enderman. C'est une drôle de bestiole. Lol. Il y a des nouvelles bestioles qui ont popé. Il y a du mycélium de partout. Oh, un élémentaire de... Il y a des élémentaires de différentes... On va sortir l'arc. Bah,
j'ai pas touché, super. Il y a des pops, voir si elle nous invoque. Voilà, je suis de retour. Pour vous jouer, change mauvais tour. Les mauvais tours. Et je vais récolter les carottes et les patates pour les donner au médecin. Ça, il pourra soigner tous les habitants facilement. Ça va, il n'a pas trop utilisé pour le moment. Donc ça devrait être tranquille. Mon Dieu, ça fait une merveille. Je vais couper l'épisode là.